Le python pensait que devant lui se trouvait un rongeur ordinaire qui deviendrait une proie facile. Erreur fatale. Le porc-épic manie magistralement les aiguilles comme une véritable arme. Il existe plusieurs espèces d'animaux qui, avec leur petite taille, possèdent de tels atouts qu'ils surprennent désagréablement les prédateurs les plus redoutables. Les écureuils ont la réputation d'être des animaux mignons et innocents. Leur saut rapide, leur nature timide et leur queue duveteuse leur ont donné une bonne image de gentillesse et de mignonnerie. Voilà une opération de relations publiques efficace. Les serpents ont dû être touchés aussi. Ce reptile venimeux pensait qu'il allait avoir un délicieux casse-croûte. Une grossière erreur. L'écureuil n'essaie même pas de s'échapper. Au contraire, il passe lui-même à l'attaque. Un cobra peut abattre un cheval d'une seule morsure. Mais l'écureuil se révèle trop agile et super droit. Pas un seul de ses lancers n'atteint sa cible. Le serpent paniqué prend déjà une position défensive. Ouvre son collier, mais l'écureuil n'en a que faire. Il attaque encore et encore, comme un éclair qui passe d'un côté à l'autre. Ce n'est pas un cas unique. Il s'avère que les écureuils sont de grands combattants. Ils évitent les combats, mais s'ils se mettent en colère, les prédateurs, même les plus gros, n'ont plus qu'à fuir. Ces rongeurs préfèrent les noix, les fruits et les légumes, mais à l'occasion, ils grignotent volontiers un serpent venimeux. Les écureuils ne sont pas immunisés contre le poison de ces reptiles. Seule l'agilité, la rapidité de réaction et le courage suffiraient à plusieurs lions. Ne plaisantez donc pas avec l'écureuil lorsque vous lui donnez des noix. La tactique de l'écureuil est très particulière. Ils peuvent soit attaquer par les flancs pour confondre les adversaires moins agiles, soit utiliser leur queue. Non, il ne frappe pas le serpent avec, mais il le distrait. La queue se dresse au-dessus du dos de l'écureuil, le serpent réagit et tente de mordre, mais ses dents glissent sur la fourrure duveteuse. Pendant ce temps, les dents acérées de l'écureuil, qui s'attaquent facilement à la coquille, dure des noix, atteignent déjà les écailles de l'ennemi. Le porc-épic est un petit animal bien nourri, de la taille d'un chien, avec des pattes courtes et un museau plutôt mignon. Mais les prédateurs expérimentés essaient de l'éviter. La raison en est simple. Les piquants de porc-épic sont pratiquement une arme absolue contre la plupart des prédateurs. Le fait est qu'ils ont une structure légèrement dentelée, de sorte qu'ils ne se contentent pas d'infliger à l'ennemi des injections douloureuses, mais qu'ils se plantent dans sa chair. En outre, les aiguilles se détachent très rapidement et facilement du porc-épic lui-même. C'est pourquoi le plus souvent, après une escarmouche, il reste beaucoup d'aiguilles dans le corps du prédateur. C'est alors que commence la chose la plus désagréable, l'inflammation. Dans un climat chaud et humide, une infection pénètre dans la plaie, ce qui provoque rapidement un empoisonnement du sang et la mort des tissus. Et une telle blessure fait très mal. Le lion, aussi robuste soit-il, n'a pas de doigts préhensibles, pas d'antiseptiques, pas d'antibiotiques. C'est pourquoi un rongeur ordinaire, disons un rat surdimensionné, est capable de faire face à un lion adulte, qui disperse une bande de hyènes et renverse des buffles. En outre, le porc-épic connaît parfaitement les capacités de son arme et l'utilise de façon magistrale. Il a juste l'air mignon. Si le porc-épic se sent menacé, il attaquera l'ennemi lui-même. Il a l'air drôle de l'extérieur. Le porc-épic marche dos au léopard, se déplace latéralement et tente d'attraper l'ennemi avec la pointe de ses aiguilles. Mais le léopard n'est pas drôle. Le porc-épic est capable de s'approcher d'un coup sec et de forcer les aiguilles à s'enfoncer plus profondément dans la chair du prédateur. Puis il s'éloigne d'un mouvement léger, laissant les aiguilles sur place. Le rongeur agit avec une telle agilité qu'il est à l'origine du mythe selon lequel il lance des aiguilles à distance. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais qui sait où l'évolution le mènera? Par ailleurs, les aiguilles de porc-épic, contrairement à un autre mythe, ne sont pas toxiques. Ce sont des poils ordinaires modifiés. Ils sont simplement plus longs, plus durs et plus résistants. Mais grâce à leur flexibilité, il est presque impossible d'enlever les aiguilles avec leurs pattes.
Outre le risque d'infection et de douleur, l'aiguille entrave les mouvements de l'animal. Une arme terrible. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de faire face à un porc-épic qu'il n'y paraît à première vue. Alors donnez un like à ce porc-épic. Il l'a bien mérité grâce à sa bravoure et à ses talents de combattant. Cet alligator est très jeune, et le jaguar a l'avantage de la force. Mais le reptile connaît le judo. Regardez, se lancer par-dessus votre épaule. Ceinture noire oblige. Le jaguar vole littéralement dans l'eau. Le paresseux est généralement une proie facile. Bien sûr, il pue un petit peu, mais il n'est pas en mesure d'offrir une résistance décente en raison de sa lenteur légendaire. C'est pourquoi les énormes aigles harpies sont des très fuyants de ces animaux. Les oiseaux brossent littéralement les paresseux des branches et les emmènent dans leur nid pour le déjeuner. Pour eux, les paresseux sont des proies faciles dans 99% des cas. Mais ce paresseux est une exception. Il s'est avéré être un dur à cuire. La harpie est elle-même choquée, elle ne savait pas ce qu'il fallait faire, quoi. De plus, le paresseux a miraculeusement échappé au coup. Il a également repoussé l'oiseau lorsqu'il s'est posé sur les branches pour s'occuper de la proie en combat rapproché. Du coup, la harpie a dû battre en retraite. Comme cet anaconda, regardez, que l'on va voir tout de suite. Les paresseux essaient de ne pas quitter les arbres et descendent à contre-cœur. Pour eux, se déplacer sur le sol représente un tel stress que cette bête se moque bien de l'anaconda. Il lui marche littéralement dessus pour atteindre le bon arbre. Peut-être que l'impudence du paresseux a effrayé le serpent, ou peut-être qu'il était simplement plein, mais l'animal a réussi à piétiner l'anaconda et atteindre le bon arbre. Pourquoi penses-tu que l'anaconda n'a pas attaqué? Réponds dans les commentaires. Le principal avantage de l'impala est sa vitesse. Elle est vraiment impressionnante, à l'image de la maniabilité d'un animal à sabots. Il est instantanément capable de changer le sens de sa course et d'esquiver les griffes de la lionne à la dernière seconde. Rapide comme une balle, l'impala passe tout seul devant le prédateur et s'enfuit, laissant l'ennemi avaler la poussière. Cet ongulé n'a pas assez de force pour résister aux prédateurs comme les léopards et les hyènes. Par conséquent, si vous avez déjà été capturé, il est fort probable que l'impala devienne votre repas. Mais ici, la hyène a clairement sous-estimé son ennemi. Elle a attrapé l'impala et était prête à le prendre avec ses crocs. Mais elle a été distraite par le guépard. Soudain, l'impala se lève d'un bond et s'enfuit. Il s'avère qu'elle était vivante pendant tout ce temps. Elle a eu assez de sang-froid pour tromper la hyène et profiter de sa seule chance de salut. C'est ainsi que la ruse sauve parfois dans les cas où la force brute ne suffit pas. Et l'impala sait aussi utiliser la concurrence d'autrui pour son propre bien. Un groupe d'animaux se trouvant à un point d'eau a été effrayé par un léopard. Le prédateur rusé est apparu de manière si inattendue qu'il a surpris l'un des impalas, qui se trouvait à une profondeur de 1,50 m. Elle n'a pas eu le temps de s'échapper, les crocs du jeune léopard se sont refermés sur sa gorge. Soudain, une hyène apparut, plus massive qu'un très jeune chasseur tacheté. Elle a pu faire fuir un concurrent, mais l'impala était vivante et a sauté sur ses pieds au moment où les crocs de la hyène étaient le plus loin possible de son corps. Ainsi, il a pu s'échapper d'une situation apparemment sans issue. Il faut rendre hommage à l'endurance de l'impala. Elle n'a pas cherché à s'éloigner lorsque la hyène l'a regardée et n'a sauté que lorsque son adversaire s'est déconcentré. En général, les zèbres ne se distinguent pas par leur besoin d'entraide. En cas d'attaque de prédateurs, chaque cheval rayé est pour lui-même. Mais il y a parfois des exceptions. Ce zèbre en fait partie. Soudain, elle est passée à l'attaque contre la lionne. Sous les yeux du groupe de safari, et a battu un autre prédateur. Pour la lionne, c'était un choc. Elle s'était manifestement trompée d'ongulé, qu'elle avait l'habitude de chasser. Le zèbre a réussi à repousser la lionne, après quoi il lui a asséné un coup de sabot si puissant sur le museau qu'on a pu l'entendre à quelques mètres de là.
Bien que la victime manquée soit déjà assez grande, il s'agissait probablement d'un adolescent et le zèbre protecteur était tout simplement sa maman. Cependant, il arrive qu'un zèbre puisse tenir tête à une lionne. Regardez l'entêtement et la puissance avec lequel l'ongulé se bat contre le prédateur et le secoue par le cou. Une force étonnante à laquelle la lionne ne s'attendait manifestement pas. Elle s'accroche fermement avec ses griffes recourbées, atteint la gorge de sa proie et n'abandonne pas jusqu'à la fin. Mais le zèbre se libère de son emprise et s'enfuit. Parfois, l'audace inattendue des petits animaux peut être charmante. Par exemple, cet oie qui affronte des taureaux en colère. N'est-ce pas mignon ? L'oiseau est tout simplement inébranlable. Il essaie de l'intimider, de la repousser, de la piétiner. Mais c'est elle qui se lance dans la bataille, bien qu'elle soit 100 fois plus petite que l'ennemi. Même la supériorité numérique ne l'effraie pas. On dit des gens courageux qu'ils sont courageux comme un lion. Mais pour les plus intrépides, il faut dire courageux comme une oie. Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kg. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser, mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars, mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive, grogne et tente d'intimider son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère ? Le lynx ne bronche pas. Ses moindres mouvements sont clairs. Celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces et d'asséner des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre en retraite. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encas, comme un paquet de chips. Mais il ne savait pas à quel point ce canard à plumes avait du sang-froid et était rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes, qui n'essaya même pas de s'envoler. Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien que le meilleur des super-héros, le plus cool, porte son nom. Un animal de la taille d'un épagneul qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi ?
Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton? Prendra-t-il les clés de la victoire? Cherchera-t-il des tactiques? Comment vaincre l'ennemi? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas voir le carcajou et essaie de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Carcajou pèse au moins 25 kilos, sont 3 fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter deux adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement, mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les deux loups qui attendaient que la victime commence à s'enfuir. Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverine est une combinaison de rage incroyable, de bravoure et de capacité physique extraordinaire. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillette peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur, puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents. Comprenez-vous ce que cela signifie? Si par manque d'expérience, un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur au grand prédateur. Comment fait-il alors pour les tenir à distance? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante et que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le glouton se promènent avec leurs biens et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes, des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture, car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas irritable, pas particulièrement agressif et n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule, vous trouvez pas? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leur museau allongé et de leur rayure caractéristique. Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal. Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents?
Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi, mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout, ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête 10 fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense, mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible. Le blaireau mord à la base de la queue, à un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts, et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. Et quelle victoire inattendue de la victime sur le prédateur vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.